Bonjour à tous. Jour numéro 11. Donc on va ouvrir cette case numéro 11. On va voir la surprise. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ah, c'est sympa ça. Ah, très joli. Un petit stick bait, superbe. Alors le stick bait, c'est un leurre de surface hein, qu'on anime par des petits coups de canne, très rapide. Donc très très belle couleur, c'est un leurre que j'adore moi pour la perche. C'est un de mes leurres préférés pour la perche, même pour le chevesne, j'ai fait quelques chevennes aussi avec. Donc très très joli. Donc je vous mettrai en référence en dessous ce que c'est. Et puis si vous avez une info sur ce leurre, avec plaisir, vous me le mettez en commentaire. Case numéro 11 pour le leurre 3,5-6 pouces. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui? Ah, un petit leurre bien sympa, flashy. Donc ça c'est sympa parce que finalement je vais m'équiper avec ce type de leurre. Très très joli. Ah, ça me fait penser, je sais pas la marque, donc je vous dirai ça en référence en dessous dans la description. Donc je regarderai ça, très très joli, donc très souple, voilà encore une souplesse. Et puis ça fait des vibrations qui changent un peu du shad parce qu'on pêche beaucoup au shad et finalement, moi c'est l'heure, je les utilise très peu. Donc je vais m'obliger à pêcher avec, très très joli. Petite tête plombée, toute simple, assez légère, on va mettre du 3,5 g voire 5 g si je veux pêcher un peu plus profond quand j'irai en saône. Voilà, donc très très joli petit leurre, un bon attractant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des infos sur les leurres, les animations, pas de souci, avec plaisir, vous pouvez les mettre en dessous dans la description. Et je vous dis à demain, bonne journée à tous et merci d'avoir vu la vidéo. Ciao les gars!